Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 d'activités What the Fuck. On est enfin reparti pour un tour. Voilà un mois je pense, presque jour pour jour que j'avais arrêté les top 3. J'ai eu quelques mauvais commentaires qui m'ont aidé un peu à réfléchir pour améliorer mes rendus vidéo. Alors voilà, j'espère que tout ce neuf sur ma chaîne vous plaît et que les nouvelles séries de vidéos vous plairont aussi. Ceci étant dit, c'est parti pour l'activité numéro 3. Alors ici on se retrouve sur une course vélo en pleine ville. Vous devrez passer de toit en toit, de rampe en rampe, du sol au toit, du toit au sol. Franchement sérieux, la course elle est nickel. Ça reste quand même une triale, c'est pas vraiment une course entre guillemets what the fuck avec plein de rampes, plein de méga sauts, de méga stun. Non, il faut surtout escalader et être méthodique dans la course. Comme vous avez vu, j'ai dû faire blade et d'accélération parce que mon nouveau personnage est vraiment nul. Franchement, j'avais aucune endurance et il n'y a pas moyen que je gagne une seule course, même si j'étais au début premier. J'arrive à la fin, j'étais dernier. On va passer tout de suite à la deuxième activité. Alors ici on se retrouve encore sur une course à vélo. Celle-là je la trouve vraiment superbe, elle est remplie de parties what the fuck. J'ai galéré quand même tout le long de la course, mais j'ai quand même réussi à tout finir sans être dernier, hein, quand même. Alors ici vous avez plein de rampes, des sauts, vous allez passer du désert à la route du chantier, vous allez devoir passer sous un pont. Franchement elle est vraiment pas mal la course. Je vous invite vraiment à aller télécharger les liens dans la description. N'hésitez pas à rejoindre mon crew banlieue 13 ultime. J'avais tous les abonnés par là pour jouer, venir jouer avec moi. Je choisis généralement mes courses what the fuck en fonction de vos avis quand on les essaye ensemble. Donc n'hésitez pas à me rejoindre quand je vous envoie une invitation. Là je suis justement sur le pont que je vous avais parlé au début et j'ai tout passé comme une grosse bête. Et en arrivant là, je me ramasse ma grosse gueule à terre. Alors là on est sur des containers. Franchement sur cette course-ci il y a vraiment un peu de tout. On se retrouve en fait sur le port et vous allez devoir aller escalader un peu les containers, aller sur le bateau, il y a vraiment un peu de tout et de n'importe quoi. Franchement j'ai pas mal galéré à cette course-là, je me suis même dépassé quelques fois parce que je me suis ramassé quelques fois aussi. Alors voilà, on passe tout de suite à la première activité. Ici on se retrouve sur une course moto. Elle est un peu courte, je l'avoue, mais elle est vraiment cool et le concept est vraiment bien pensé. Alors la partie what the fuck, elle est pas vraiment au début, mais surtout à la fête foraine en fait. Et en fait vous allez devoir suivre le parcours du Grand Wit à la fête foraine. Voilà. C'est magnifiquement bien pensé, moi je trouve, et tout le monde a vraiment bien kiffé, donc c'est pour ça qu'elle mérite vraiment sa première place. Ici si je passe la première partie what the fuck, elle est vraiment pas très longue, et voilà que j'arrive à la deuxième partie what the fuck, presque à la fin de la course en fait. Et voilà, je dois suivre tout le parcours et franchement c'est bien fait quoi, il n'y a pas trop de bugs ni rien. Avec les abonnés on l'a même fait plusieurs fois, donc c'est pour dire que tout le monde a vraiment bien kiffé. Voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'espère que ce top 3 vous aura plu et qu'il est bien mieux que ceux que j'ai pu sortir auparavant. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook Journal Ludique Officiel. Je publie pas mal de statuts sur le déroulement de ma chaîne. N'oubliez pas le petit like, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort.